Salut petite créature. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux techniques de stabilisation en hors cadre. Cette vidéo m'a été beaucoup demandée. Du coup, générique. Alors déjà, petite intro, ça fait un bail que j'ai pas publié de vidéo. Ça fait ouais, genre 8 mois, un truc comme ça. Le temps passe vite, hein. Alors bon, comme 95% d'entre nous, 2021 n'a pas été une année très simple. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, en gros, j'ai pas trouvé le temps. Clairement, j'ai pas trouvé le temps. Pour filmer. Donc voilà, malgré mon absence, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui nous ont rejoints, donc dans cette petite famille de petites créatures qui est en train de s'agrandir sacrément finalement. Donc si c'est ton cas, bienvenue. Je m'appelle Laure et je suis la créatrice d'Abyssal Spirit Création. J'ai décidé de faire cette chaîne YouTube pour partager ma passion de la broderie machine et de la couture avec d'autres passionnés. Et je suis très contente parce que dans les commentaires, il y en a plein qui échangent et tout. J'adore échanger avec toi dans les commentaires. Du coup, merci ton abonnement si tu es venu. Et merci aussi à ceux qui sont restés malgré mon absence. Parce que, bon, vous auriez pu vous désabonner, hein, c'est peut-être le cas d'ailleurs. Je ne regarde pas souvent les stats, j'avoue. Voilà, du coup, je promets pas que je serai régulière. Ça commence bien. Ne pars pas tout de suite, je t'assure. Je vends pas du rêve. Mais juste pour cette année, j'ai décidé, bon, comme d'habitude, de faire de mon mieux, mais cette fois-ci, pas comme d'habitude, d'arrêter de me mettre la pression, clairement, parce que tu me connaîtrais certainement pas, mais je suis très perfectionniste, surtout. Et je suis du genre à me mettre la pression vraiment beaucoup. Parce que je suis pas à fond dans tous les domaines, mais c'est impossible d'être à fond dans tous les domaines. Donc tu imagines mon état mental. Mais bon, voilà. Donc du coup, cette année, j'ai décidé d'essayer de relâcher la pression. C'est pas facile, mais bon, on fait comme on peut. Et oui, du coup, de faire de mon mieux et de prendre soin de moi. Et du coup, prendre soin de moi, c'est aussi parfois prendre du temps hors des réseaux, prendre du temps à arrêter de travailler parce que clairement, je travaille énormément. Je travaille tous les jours quasiment, jusqu'à très tard. Vu que j'ai mon entreprise, forcément, je suis toute seule derrière à tout faire. Donc pareil pour YouTube, je suis toute seule pour tout faire. Les scripts. Les vidéos, le montage, la miniature, la mise en ligne, gérer les réseaux sociaux, plus tous les aspects qu'il y a derrière mon entreprise de création, parce que je crée des choses. Forcément, j'ai pas 6 bras, donc bon, il y a des moments où je ne peux pas être partout. Et quand on a 10 métiers en un seul, bon, faut savoir prendre du temps pour ça. Donc voilà. Donc je ne promets pas d'être régulière, je vais faire de mon mieux, je vais essayer. Je ne sais pas, du coup, quand est-ce que sortira la prochaine vidéo? J'en sais rien. Mais en tout cas, je suis très contente parce que j'ai reçu plein de messages de pas mal d'entre vous qui me réclamaient et qui réclamaient bon, des tutos, évidemment, c'est pas moi que vous attendez, hein, c'est les tutos. Et qui m'ont donné des idées aussi. Alors, du coup, c'était pas les idées qui manquaient de base, donc ça rajoute plein d'idées encore à la liste. Et ça, c'est génial. Donc ouais, c'est pas les idées qui manquent, c'est pas l'envie qui manque, c'est juste le temps. Prendre soin de soi, pas se mettre la pression, faire de son mieux, c'est un peu le conseil que je peux te donner à toi aussi. Parce que, on peut le dire, hein, ces 2 dernières années, voire celle d'avant encore aussi, voire celle d'encore avant, après ça dépend des gens, ont pas été simples. Pour personne. Du coup, ouais, je pense qu'il faut prendre soin de soi. Ça, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Faut que tu prennes soin de toi. Faut que tu te fasses plaisir dans des projets qui te font plaisir, que ce soit en broderie, en couture ou autre. On va essayer de se lancer dans cette aventure
sans pression, juste pour nous, tous ensemble. Ça va être un petit challenge. Je vais arrêter là l'intro parce que je pense que j'ai encore trop parlé. Je suis en roue libre hein, totalement là, j'ai pas fait de script, du coup c'est normal si je bug un peu, si je me répète. On verra au montage si j'ai pas trop dit de conneries. Voilà, c'est tout. Du coup, si jamais le cœur t'en dit, un petit pouce en l'air si tu as apprécié la vidéo. Un petit partage si tu peux et un commentaire. Ou si jamais tu as des questions après cette vidéo, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'essaye d'y répondre. Je réponds pas dans la minute évidemment, mais j'essaye d'y répondre régulièrement. Même si il n'y a pas de vidéo sur la chaîne, ça ne veut pas dire qu'elle est morte, hein, clairement. Voilà, il n'y a pas de souci. J'y répondrai avec plaisir. Ou un message sur Instagram, comme certains ont pu m'envoyer des messages. J'y réponds toujours avec plaisir quand j'ai le temps. Voilà. Merci beaucoup et merci encore de ton abonnement. Merci d'être resté si c'est le cas. Et je te laisse avec le tuto. Alors du coup, pour la stabilisation en hors cadre, c'est une stabilisation super. Je vends vachement bien mon truc. Non, personnellement, j'adore la stabilisation en hors cadre. Par contre, il faut déjà maîtriser la stabilisation dans le cadre. Du coup, si tu sais pas le faire, si tu sais pas du tout stabiliser un tissu ou que tu as encore des petits doutes ou des trucs comme ça, j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci, du coup, de mes techniques, comment bien stabiliser son tissu dans le cadre. Une fois que tu as maîtrisé cette méthode, tu peux te lancer dans la stabilisation hors cadre. Donc, on va voir ensemble deux méthodes de stabilisation en hors cadre. D'abord la première avec un stabilisateur classique non tissé et la deuxième avec le stabilisateur filmoplast qui est un stabilisateur autocollant. La technique est un peu différente pour ce stabilisateur-là, du coup c'est pour ça que je l'ai visé en deux techniques, quoi. La technique en hors cadre, c'est très utile pour tout ce qui est matière extensible. Style jersey, lycra, les matières aussi qui sont fragiles, comme du tulle ou de l'organza par exemple, mais aussi pour le simili-cuir, pour éviter d'avoir des traces de cadre sur ton simili-cuir. On sait très bien que le simili-cuir, comme le cuir d'ailleurs, on peut planter aucune épingle, ni laisser trop de pinces, de trucs serrés fort dessus, parce que sinon, ça marque tout. Donc, et ça tient pas en plus dans le cadre. C'est trop épais, trop glissant. Voilà. Enfin, toutes les matières un peu sensibles, on sait pas trop comment les broder, machin, si ça va bien tenir dans le cadre et tout. Broderie hors cadre. Et du coup, c'est aussi très utile. Du coup, bah, très utile. Et aussi, t'as pas le choix pour broder tout ce qui est vêtements déjà montés, comme les t-shirts ou les sweats par exemple. Tu peux pas les mettre dans le cadre. Sinon, tu as un problème. En plus, parce que c'est de la maille, en général, c'est extensible. Et il ne faut, pour les matières extensibles, il ne faut jamais les tirer. Parce que sinon, quand tu enlèves le stabilisateur et que tu enlèves ta matière de ton cadre, ça se rétracte et du coup, bah, tu as plein de plis autour de ta broderie. Et c'est pas beau. Et on ne veut pas de broderie pas belle en 2022. Non, je rigole. Tu passes forcément par des broderies pas belles. Ça arrive encore, bah, personnellement, ça m'arrive encore malgré mes 5 années dans la broderie et beaucoup plus en couture, mais bon, ça n'a rien à voir. J'arrive encore à faire des broderies moches parce qu'il y a un petit pourcentage de chance dans la broderie, même si bon, tu prépares vachement bien ton tissu, la stabilisation est impeccable. Tout est bien, même les aiguilles, les fils, tout. Des fois, il peut y avoir des cafouillages. Ça arrive, mais c'est pas grave. Bon, ça fait un peu chier parce que c'est du matériel dépensé, mais c'est pas grave. Il faut pas s'énerver sur sa brodeuse. Sinon, c'est pire. Je crois que j'ai tout dit. Je te laisse avec le tuto. D'abord avec le stabilisateur, donc si c'est classique, je passe en voix off du coup. Avec les images, ce sera beaucoup plus parlant. Bon visionnage. Ok, du coup on commence avec la technique, avec le non tissé classique. Donc il te faut ton cadre évidemment desserré. Il te faudra aussi
ton non-tissé. Là, pour le coup, j'ai deux feuilles de non-tissé collées ensemble avec de la colle temporaire. C'est du non-tissé hydrosoluble parce que je voulais faire un test de broder des rubans. Donc, il faut que tu découpes ta feuille de non-tissé plutôt large, en laissant environ 5 cm tout le long. Aussi, attention, avec le non-tissé que tu choisis, il faut qu'il soit assez épais. Plutôt, prends des non-tissés à découper ou alors tu le doubles. En tout cas, les très fins à déchirer, laisse tomber, ça tiendra pas. Parce que tu vas devoir le tendre dans ton cadre. Donc, bon, s'il se déchire au premier truc, c'est pas la peine. Tu mets ton non-tissé dans ton cadre comme tu le ferais en stabilisant dans le cadre avec ton tissu, sauf que là ton non-tissé est tout seul. Si jamais tu sais pas comment faire, je te montre, je t'explique tout ça plus en détail dans la vidéo avec la stabilisation, tout dans le cadre. Donc bah, tu mets ton non-tissé, tu serres ta vis, etc. Là mon cadre est pas. Vu que maintenant j'ai une PR, j'ai plus de brodeuse familiale, j'ai une semi-pro. Du coup, les cadres brodeurs sont fichus différemment par rapport aux autres cadres de brodeuse familiale. Donc, mets ton cadre comme tu le mets d'habitude en fait, hein. Moi, c'est la partie du dessus qui s'imbrique dans celle du dessous, mais il me semble de mémoire que dans les familiales, c'est l'inverse. Et toujours du coup le petit bruit de tambour. Donc là, bah, j'ai pas l'audio pour ce coup-là, mais il faut que ça fasse un petit bruit de tambour quand tu fais des petites pichenettes dessus. Alors des petites pichenettes, hein. Vas-y mollo, va pas crever ton stabilisateur. Et du coup, comme je disais, je voulais tester de broder sur des rubans. Alors spoiler alerte, ça n'a pas fonctionné, c'était très moche, mais bon, j'aurais essayé. Pour fixer du coup ton tissu, il te faudra de la colle temporaire qui part à l'eau en fait. Attention au choix de la colle. Il faut que tu prennes aussi du coup un gros carton qui est bien dégueu, hein, mais il me sert juste à coller, donc forcément. Tu vaporises un peu de colle sur ton stabilisateur. Forcément, ça va aller un peu sur ton cadre, mais bon, t'as des nettoyants spéciaux qui existent pour nettoyer les cadres. Ça, c'est le grand désavantage de la stabilisation hors cadre, c'est les résidus de colle sur les cadres, quoi. Il faut les nettoyer. Mais sinon, c'est génial. Donc bon, là, du coup, je place mes rubans. Après, tu places ton support à broder comme tu peux. Là, j'ai pas mis de marquage sur mon stabilisateur parce que je vais placer ma broderie avec la caméra de ma brodeuse sur les rubans directement. Mais normalement, tu te fais un marquage. Je te montrerai ça avec la stabilisation, avec le filmoplace. Je fais le marquage pour bien placer ton élément à broder. On passe à la deuxième technique avec le filmoplast. Donc il faut toujours ton cadre, ton morceau de filmoplast. Donc là c'est du filmoplast blanc. Ce que je fais, c'est que j'utilise du blanc pour tout ce qui est support clair et du noir pour tout ce qui est support foncé. Et là, cette fois-ci, on va pas mettre le stabilisateur dans le cadre, on va serrer le cadre tout seul, à vide. Alors faut bien le serrer pour pas que ça bouge, quoi. Donc pareil, même méthode, tu serres à la main, puis après un petit peu avec un tournevis, pour que avec les vibrations le cadre ne se desserre pas. Ensuite, tu prends ton filmoplast, tu vas découper ton filmoplast quasiment de la même taille que ton cadre. Tu laisses juste allez, un petit centimètre tout le tour, 1 ou 2 cm tout le tour, pour avoir un petit rebord qui revient. Donc là, tu vois, sur l'image que je te montre, c'est compliqué hein, de faire la voix off quand tu as monté la vidéo déjà. Du coup, tu coupes voilà presque à la bonne taille. Et c'est bien cette méthode du coup parce que ça te permet d'économiser aussi du filmoplast, hein, forcément, vu que tu en utilises beaucoup moins. Ensuite, tu enlèves le papier protecteur. Du coup, tu vas découvrir la partie autocollante. Et tu vas placer ton cadre sur ta partie autocollante. Vu que le filmoplast est très puissant
en termes bah, d'autocollant, il va bien se coller à ton cadre. Alors du coup, moi je fais cette méthode-là en plaçant le cadre dessus, mais des fois je mets mon cadre à l'envers et je place le filmoplast à la main dessus aussi, donc c'est au choix. Et après, tu décolles, recolles pour que ton filmoplast soit bien tendu. Il ne faut pas qu'il y ait de plis, d'endroits où c'est un peu plus lâche, etc. Donc c'est pour ça que je le pose dessus doucement pour qu'il y ait des endroits où ça colle, mais que ce ne soit pas hyper bien collé, tu vois. Et c'est à la toute fin que je viens bien plaquer le filmoplast sur les bords de mon cadre pour être sûr que ça soit bien collé. Mais au moment où je dois le décoller, le recoller pour bien le tendre, bah là du coup, j'évite de trop forcer, enfin de trop appuyer, quoi. Et une fois que tu vois que ton filmoplast est bien tendu, tu fais le test avec la petite pichenette et le bruit de tambour pareil. Tu viens bien lisser sur les bords en appuyant sur ton cadre comme tu peux le voir à l'image. Et ensuite, tu vas venir rabattre les bords sur les côtés de ton cadre. Cette technique, elle a été donnée par Natalia Alice Broderie. Je ne sais pas si tu connais. Elle fait de la numérisation, elle vend des fichiers broderie qui sont de très bonne qualité. Et du coup, c'est elle qui nous a donné cette technique-là sur son groupe de broderie sur Facebook. Du coup, tu peux demander à entrer dans ce groupe si tu veux. Donc merci Natalia, si tu passes par là, cette technique j'utilise tout le temps et elle est impeccable. Elle maintient très bien, c'est mieux que... Cette technique-là, normalement, le constructeur te dit de mettre le filmoplast dans le cadre. Mais avec l'espèce de papier plastique qui recouvre la partie autocollante, ça glisse, je trouve, dans le cadre. Et ta stabilisation, une fois sur deux, elle est foutue. Et avec cette technique-là, il n'y a pas de souci. Ta stabilisation est impeccable. Surtout que broder des t-shirts, c'est pas simple. Donc là, voilà, C'est ma méthode, enfin c'est la méthode de Natalia, mais du coup c'est devenu la mienne aussi. Et du coup, comme je te disais, pour la stabilisation d'un tissé, il te faut faire des marquages. Je mets à l'écran les axes. En fait, sur ton cadre, tu as des petits repères pour tracer les axes. Et tu as aussi un gabarit normalement en plastique fourni avec ton cadre. Ça te permet de situer le milieu du cadre. Et c'est là qu'on place la broderie. En général, elle est au milieu du cadre. Donc là, je vais broder un t-shirt. Donc ce que je fais, c'est que je le mets sur l'envers. Je fais coïncider les coutures du haut de l'encolure et des épaules ensemble pour trouver le milieu du t-shirt, en fait. Donc j'essaye de le faire le plus précisément possible. On coïncide bien les coutures des épaules. Ensuite, bah, je vais le secouer un peu pour qu'il se mette en place et je le mets bien à plat sur la table. De toute façon, pour la stabilisation, je passe un peu du coq à l'âne là, mais stabiliser bien sur une table rangée où il n'y a rien en dessous. Ayez de la place. Je sais que c'est pas toujours facile d'avoir de la place, surtout quand on brode de chez soi, qu'on n'a pas d'atelier ou quoi. Mais faites de la place sur votre table parce que c'est important d'avoir une stabilisation impeccable. La préparation, c'est le maître mot. C'est vraiment, il faut préparer son tissu pour avoir une belle broderie. Et du coup, ce que je fais avec un feutre lavable, hydrosoluble, en fait avec un petit dos, l'encre disparaît. Je place mon marquage. Alors là, pour ce t-shirt là, je voulais broder côté cœur. Du coup, j'ai des petites règles en plastique exprès pour placer mes broderies, mais après, t'es pas obligé, hein, juste une règle normale, ça suffit. Il faut savoir que, en général, côté cœur, on va dire le milieu du t-shirt, enfin, comment expliquer ça? le milieu du t-shirt se retrouve à peu près, en fonction des tailles, ça varie un petit peu, vers le bas de l'emmanchure. C'est le milieu de ta broderie, en gros. Et après, pour fixer le centre de la broderie, si tu mets ta broderie au centre de ton t-shirt, bah, tu mets l'axe vertical, tu le mets au centre du t-shirt. Et si c'est côté cœur, ça arrive à peu près
L'axe arrive à peu près à la couture entre l'encolure et l'épaule. Ensuite, je viens prendre mon t-shirt avec l'axe horizontal. Comme tu peux le voir à l'image, je le pince, voilà, pour pouvoir bien le placer sur mon filmoplast. Je pose mon t-shirt, j'aligne les axes verticaux et horizontaux. Et vraiment, on ne tire pas le t-shirt sur le filmoplast. Tu le poses, c'est tout. Tu vérifies bien que tes axes sont toujours alignés. Et tu poses, tu caresses ton t-shirt pour éviter de tirer dessus et que ça fasse des plis après. Tu tapotes quoi. Tu vérifies de l'autre côté si l'axe est toujours aligné aussi. Et après, tu peux bien appuyer un peu partout sur ton t-shirt pour qu'il adhère vraiment de partout sur le filmoplast. Et après, tu l'ouvres vers le. Enfin, tu prends le bas du t-shirt et tu l'ouvres, tu le mets sur l'endroit, quoi. Tu réappuies un peu partout. Si jamais tu as une brodeuse familiale, tu ne peux pas passer ton t-shirt en dessous de ton cadre. Forcément, ça va. Vu que t'as pas de bras libre, le t-shirt va se prendre des deux côtés. Donc, ce que je faisais, j'utilisais des petites pinces croco comme ça, et je roule les côtés du t-shirt, et je fais en sorte de le placer dans la machine pour pas que le bras soit pris dans les plis du t-shirt ou quoi, et toujours rester à côté, bien vérifié, pour pas que le t-shirt glisse en dessous et que tout soit brodé ensemble. Et si t'as, comme moi, une PR, une VR, enfin une brodeuse avec bras libres, tu peux faire passer ton t-shirt en dessous du cadre, tu le remets sur l'endroit totalement, tu fais attention de ne pas décoller du filmoplast, et après tu viens passer ton t-shirt dans ta brodeuse classique avec le bras libre qui passe au milieu du t-shirt en fait, et tu roules la partie en trop que tu vas pas broder et qui est de galère, qui va se prendre dans le bras. Ce que je fais en général, je le roule et après je mets du scotch que je fixe sur la partie métallique du bras, pas la partie en plastique blanc dans le caisson, parce que c'est ça qui bouge, juste la partie métallique grise. Et au moins je suis sûre que le bord du t-shirt ne va pas se replier sur le cadre et être brodé ou passer en dessous. Voilà, je vérifie ça. Vérifie bien que tout est bien installé, que rien ne va passer en dessous. Je regarde aussi à travers le col du t-shirt si tout le bas du t-shirt est bien en dessous et c'est pas coincé entre le cadre et le bras libre. Ce que je fais en général sur les t-shirts, je mets aussi un morceau de stabilisateur hydrosoluble, mais juste un film hydrosoluble parce que je trouve que la broderie a un meilleur rendu. Et toujours en hors cadre, faire un cadre de bâti avec ta brodeuse, il y a toujours un cadre de bâti qui peut être lancé. Ça maintient, ça te fait un maintien en plus et t'es sûr que ta broderie, enfin t'es quasi sûr que ta broderie va être impeccable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci tout court d'être là, de me laisser ces commentaires géniaux à chaque fois, de faire vivre la passion broderie sur la chaîne. C'est génial. Et si jamais tu as aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, un petit commentaire si tu as une question. Ou pas de question, juste tu peux laisser un commentaire, ce que tu veux. Hein. Je suis ouverte aux commentaires. Hein. Mais pas aux commentaires haineux par contre. Mais ça, vous vous en doutez bien. Et voilà, je recommence avec les vous. Bref, merci beaucoup et à la prochaine. Salut!